Voilà, donc nous démarrons notre premier plateau à bâton rompu avec les pasteurs Ange Bienvenu à Luna, Tiburce Sylvain de Bocolo, maître spirituel, guide de l'ordre des Haïniens, et Saïd Ahmad de la communauté islamique Hamadia. Avant de prendre nos invités, je veux donc rappeler que cet album est toujours en vente. Vous pouvez vous rapprocher du siège des prix Studio 210 sur la ruelle qui mène au CG Mukondo, derrière l'école de police. C'est l'album Confidence à l'Éternel du groupe Lumière de Karikari, produit par l'association Louzolo Amour OPH, Confidence à l'Éternel, avec 9 titres, et donc que vous pouvez donc vous procurer en appelant les contacts, ou bien en vous rendant au siège de ce groupe Lumière de Karikari, ou en appelant le 06 706 32 32. Le même numéro que vous contacterez, que vous pouvez composer pour discuter avec les invités sur notre plateau à l'instant. Nous avons le livre Maison de magie ou Religion du salut, signé Bungu Huam, aussi disponible au niveau du studio 210. Vous avez ici le livre La vie du leader et son ministère, signé Deborah Eurydice Nzonzolo Massa, disponible aussi. Il suffit d'appeler simplement le 06 706 32 32. Nous avons enfin le Vegastune, disponible. C'est le livre de l'ordre des Haïniens, Maître Tiburce Sylvain de Bocolo, le signe. Et tous ces livres sont disponibles, ainsi que Transformation digitale, menaces, opportunités et menaces, signé Eugène Ruffin Bouya. Tous ces livres sont disponibles au niveau du Studio 210. Maître Tiburce, bonjour. Et bonjour aussi à vous, Monsieur Saïd Ahmad. Avec vous, Monsieur Saïd Ahmad, nous parlons de la femme dans l'islam. La femme dans l'islam, quelle est sa place? Comment ça se passe là-bas au niveau de l'islam? Merci beaucoup. A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Au niveau spirituel, selon le Saint-Coran, selon l'islam, la femme a même droit que l'homme. Ils sont égaux. Il a dit dans le Saint-Coran que chaque personne qui fait de bonnes œuvres, où il prie, il adore Dieu, il aura sa récompense auprès de Dieu. Et tout ce qu'ils vont faire pour l'humanité ou pour Dieu, ils auront également la récompense dans le paradis. Il n'y aura pas la différence au niveau spirituel dans le paradis. Maintenant, concernant physique sur la terre, il y a certains droits que la femme obtient et certains droits que l'homme. Maintenant, il y a certains devoirs que Dieu a donnés aux femmes, il y a certains droits que Dieu a donnés, devoirs à l'homme. Selon le Saint-Coran, l'homme, il est responsable de sa femme et de ses enfants, de la nourrir. La femme, elle est responsable de la maison de son mari. Le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la femme n'est pas autorisée de permettre à quelqu'un d'entrer dans sa maison si son mari n'aime pas. Il faut qu'elle soit obéissante vers son mari. Maintenant, quand nous regardons l'islam concernant la femme, d'abord, la mère, c'est qui est une femme. Mais le Saint-Prophète, sallam, il a dit que si vous voulez chercher le paradis se trouve sous les pieds de votre mère. Cela signifie qu'il faut servir votre mère pour entrer dans le paradis. Il y avait un compagnon du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a demandé, Ya Rasulallah, comment je peux entrer dans le paradis? Le Saint-Prophète, sallam, il a dit, il faut servir ta mère. Après, il a dit qu'encore qui? Le Saint-Prophète, sallam, il a répété la même réponse, ta mère. À trois reprises que le Saint-Prophète, sallam, il a dit, ta mère. Et quatrième réponse, c'était
ton père. Cela signifie que pour servir ta mère, vous aurez le paradis. C'est ça l'islam. Il met l'action beaucoup sur le service de la mère, ce qui est une femme. Deuxièmement, nous avons la fille. Le saint prophète sallam, il a dit que celui qui a une fille, ou deux filles, ou trois filles, s'il donne une bonne éducation, et quand elle sera jeune, il donne dans le mariage, à cause de ce service-là, Dieu va lui accorder le paradis. C'est ça que le droit que Dieu a réservé pour les femmes. Maintenant, troisième, c'est une femme d'un homme. Le Saint-Coran, il a dit que la femme d'un homme, elle a besoin de l'héritage laissé par son père aussi et laissé par son mari aussi. Maintenant, selon le Saint-Coran, les femmes n'est pas obligées d'aller dans les mosquées. Elle doit prier dans la maison et elle va occuper de ses enfants. Maintenant, si quelqu'un dit que non, pourquoi les femmes musulmanes sont fermées dans la maison, c'est faux. Parce que l'islam, il autorise à toutes les femmes musulmanes de chercher la connaissance. C'est obligatoire selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à tel point que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, même si vous arrivez jusqu'à Chine pour chercher la connaissance, obligatoirement il faut chercher. Mais à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam n'était pas encore arrivé à Chine. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a deux sortes de connaissances. La connaissance de la religion et la connaissance des sciences. Mais ça, la connaissance de la religion, c'est l'islam qui enseigne. La connaissance des sciences, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'aller partout dans le monde et chercher cette connaissance. C'est obligatoire pour chaque homme et pour la femme. Et c'est ça que si les gens disent que non, les femmes ne sont pas autorisées pour apprendre, pour chercher la connaissance ou pour travailler, c'est faux. À l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière que l'homme, il travaillait, ils étaient des commerçants. De la même manière, les femmes aussi, ils travaillaient, ils étaient des commerçants, ils participaient même dans la guerre. Et la preuve en est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, qui était une des plus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est capable de vous enseigner les moitiés de l'islam. Cela signifie qu'une femme, il peut enseigner la religion chez les hommes aussi et chez les femmes aussi. Maintenant, pourquoi il n'est pas autorisé aux femmes d'entrer à tout moment dans la mosquée pendant qu'il y a cinq prières pour chaque musulman, homme et femme? La première des choses, que la femme a plus d'occupation que l'homme dans la maison. Si elle a 3, 4, 5, 10 enfants, elle ne peut pas venir à tout moment dans la mosquée avec tous ses enfants. Et à cause de cela, Dieu lui a autorisé de rester dans la mosquée, et de rester dans la maison, et tu peux prier dans la maison. Maintenant, comme pour l'homme, comme il est libre, à part de travail, comme il est libre, il n'a pas d'occupation dans la maison, il est demandé qu'il faut qu'il vienne dans la mosquée pour prier. C'est obligatoire pour chaque homme musulman. La prière d'un musulman, c'est dans les congrégations. Et je pense que l'islam n'a pas fermé la femme. En preuve en est qu'aujourd'hui, par les médias, vous voyez dans les pays islamiques, les femmes, elles sont en train d'entrer dans la politique, elles sont en train de faire la politique. Même en preuve en est qu'il y a une femme, des fois qu'elle était devenue premier ministre au Pakistan, pendant que c'est un pays islamique. Pour dire que les femmes ne sont pas autorisées de travailler, je pense que c'est une propagande contre l'islam. D'accord. Qui n'a pas la réalité. Merci beaucoup. Vous avez largement et abondamment expliqué la place et le rôle de la femme dans l'islam. Mais surtout, vous n'avez pas pu nous dire ou justifier le fait qu'on ne trouve pas de femme imam. Quand j'ai dit que la femme n'est pas autorisée d'entrer dans la mosquée à tout moment par rapport à ses occupations. Vous comprenez?
Maintenant, quand vous dites que la femme ne peut pas être un imam, c'est faux aussi. La femme peut être un imam pour les femmes. Non, pourquoi seulement pour les femmes? C'est justement ça Parce la question. que la première des choses que l'islam, il demande, quand vous sortez de la maison, il faut couvrir le corps. Les hommes et les femmes ne doivent pas se ressembler ensemble. Venez. Maintenant, deuxièmement, c'est aussi une grâce que Dieu a faite sur eux pour protéger l'honneur de la femme. Vous comprenez? Pourquoi l'homme, il est obligatoire de prier 5 fois par jour et 24 sur 24 heures. Mais pour les femmes, il y a une période qui vient chaque mois que la femme est interdite de prier. Maintenant, si vous placez une femme dans une mosquée de diriger la prière, maintenant, pendant 7 jours, elle ne sort pas de la maison. Tout le monde sera au courant, non, elle est dans les règles. Vous comprenez? Maintenant, deuxièmement, la femme, quand elle va coucher l'enfant, pendant 40 jours, elle n'est pas propre pour prier. Dieu interdit cela. Maintenant, comment vous pouvez lui donner cette responsabilité pendant qu'elle est enceinte? Et avec la grossesse, là, il va diriger la prière pendant qu'elle-même, c'est difficile à marcher. D'accord, merci beaucoup, monsieur Saïd Amal. Maître Tiburce Nebokolo, vous êtes guide de l'ordre des Haïtiens. Pour la petite histoire, vous avez rencontré 9 000 Extra. extraterrestres noirs, il faut préciser, et c'est d'où est partie cette vision. Finalement, le thème aujourd'hui avec vous, c'est, vous dites, chaque vérité correspond à une époque. En d'autres termes, la vérité évolue avec le temps. Ce qui était vérité en 2000, en 1998 ne pourra pas être la même vérité en 2022. Essayez de bien nous expliquer cela. Merci beaucoup. Bon, pour ceux qui ont le Végastune, ils peuvent lire à la page 24 jusqu'à la page 28. C'est bien écrit. Chaque vérité correspond à une époque. Effectivement, l'humanité est en train d'évoluer. On ne peut pas expliquer les choses de la même manière. Tout d'abord, même hier, on nous a enseigné à l'école que l'atome était la dernière partie de la matière, qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire les mêmes choses que l'atome est la dernière partie de la matière, parce qu'on a découvert les propriétés plus petites que l'atome même. Hier, on nous disait que le sida était une maladie incurable. Mais aujourd'hui, nous savions, il suffit de savoir ton statut sérologique, de prendre les rétroviraux, tu vas vivre longtemps. Ça, c'est connu. Donc, la vérité évolue au cours des siècles. Comme on était à l'école primaire et qu'on nous disait que 1 moins 2, c'est impossible. Mais quand tu arrives au collège, on te dit c'est possible. Donc, nous disons chaque vérité correspond à une époque. De la même manière que nous comprenons Dieu à l'époque passée, Dieu, un être assis au ciel, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Aujourd'hui, si un maître spirituel vient le confirmer, je dis que ce n'est pas un maître qui a atteint l'illumination. Pour un pasteur, je comprends. Il croit à la Bible, il s'arrête là. Mais pour un maître spirituel qui a atteint l'illumination, qui connaît la profondeur, ne peut plus dire aux gens qu'il y a un Dieu qui existe, qui a créé le ciel et la terre, et que ce Dieu-là est assis au ciel. Pendant que nous connaissons que le ciel, c'est un vide qui sépare une planète à une autre, ce vide est de 50 millions de kilomètres. Alors ce Dieu-là est assis où? Sinon que ce ne sont que des extraterrestres. Tout ce que nous croyons comme Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, ne sont que des extraterrestres. Voilà comment ce Dieu-là a des partis pris. Moi, je crois en Dieu. Quand je viens dire que Dieu n'existe pas, non, pas de la même manière que vous le croyez. Moi, je crois en Dieu, mais il est énergie. C'est le bien et le mal, le positif et le négatif disponibles en tout. Mais un Dieu qui est assis au ciel, qui voit tout, qui surveille tout, vous pouvez imaginer combien de fois que les gens prient. Les gens prient, ils dorment comme ça, on vient l'appuyer à la gorge. Mais où est ce Dieu-là qui assiste? Quand tu sors avec la femme d'autrui, et pourtant ce mauvais Dieu-là, il regarde et il assiste. Même lui-même, pour démontrer qu'il n'est pas tel qu'on le croit, au jardin d'Éden, lui-même, il dit: où es-tu? Pourquoi te caches-tu? As-tu mangé le fruit de l'arbre? Ça veut dire qu'il n'avait rien vu. Effectivement, voilà comment, quand les gens prient, 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 toujours des cauchemars existent. Toujours les envoûtements, le mal continue toujours. Mais où est ce Dieu-là? Nous disons, nous, dans l'ordre des aînés, la vérité a évolué.
Dieu n'est plus tel qu'on le croyait dans les années, l'an zéro qu'on a écrit la Bible. La caution intellectuelle a évolué. Même quand nous prions, il n'y a pas un Dieu qui écoute nos prières. Sinon, la façon que les gens prient, le monde là serait bien. Mais sinon, est que la parole que nous prononçons se dissout en son et en lumière, donc en énergie. Cette énergie-là se déplace, va jusqu'à la personne habilitée à te venir en aide. S'il se trouve à Pointe-Noire, tu es en train de chercher de l'emploi, tu pries. Quelqu'un, un ami d'enfance de l'école là-bas se souvient de toi et te dit, mon cher, tu fais quoi maintenant? Oh, je fais rien. Oh, viens, je peux te trouver quelque place. Ça veut dire que les énergies émises, il y a plusieurs manières de prier aussi. Tu peux prier par la parole, par la pensée et par les gestes. Il y a plusieurs manières de prier. Tu peux être là seulement à réfléchir longtemps, mais tu émets les ondes. C'est une prière. Voilà comment nous disons, nous les initiés, il n'est pas bon de penser en mal. Non seulement de prononcer des sales paroles, mais de penser en mal, parce que le mal est plus disponible et peut bien se réaliser. L'autre vérité qui certainement a évolué, c'est aussi celle de dire aujourd'hui que Lucifer n'est pas toujours celui-là qu'on considère comme le diable, comme celui qui va souffrir. Dans l'ordre des Aéniens, nous disons tous les Noirs qui sont sur la terre ont été amenés sur la terre par Lucifer. Ce nom qui a été diabolisé, effectivement, qui n'existe dans aucune version de la Bible. Ça n'existe pas, noir sur blanc, écrit Lucifer. Non, le roi Léopold II dit, faites tout pour que les Noirs oublient leurs ancêtres et qu'ils n'adorent que les nôtres qui ne les écouteront jamais. Tout ce qu'on fait là, pour prier, il faut se mettre à genoux. C'est le roi Léopold II qui a instauré ça. Il dit, faites-les prier en les mettant à genoux comme punition. C'est tout. Donc, quand quelqu'un te dit, pour prier, mets-toi à genoux, mais c'est la punition instauré par les lois Léopold II dans l'Église qui continue. Donc, ça n'existe pas. Lucifer, montrez-moi, même dans la Bible, montrez-moi un verset où Lucifer existe, ça n'existe pas. Le nom de Lucifer, noir sur blanc, n'existe pas. Satan n'a rien à voir avec Lucifer. Et même Satan aussi, si on te demande de montrer le mal qu'il a fait dans la Bible, ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui a fait du mal, qui a détruit la ville de Sodome et Gomorre. Il y a Dieu qui a provoquer le déluge, il y a tout. Même ce Dieu-là, très injuste, il combat du côté des enfants d'Israël pour tuer les Philistins. Pourtant, c'est des gens. Pour tuer la ville de Jéricho. Et pourtant, c'est des gens qui sont là. Dieu, injuste qu'il est dans la Bible. Alors, pourquoi pas, c'est à preuve des raisons, que les Blancs, qui est le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de Moïse, qui, Moïse n'est pas noir, ça veut dire que c'est de leurs ancêtres à eux. Comme moi, je peux dire le Dieu de nos ancêtres. Pourquoi vous regardez le pasteur Alona quand vous parlez? Pardon? Pourquoi vous regardez le pasteur? Non, c'est parce que la façon que vous avez disposé la chaise est que je dois être en face du pasteur Alouna. Je n'ai rien à voir avec le pasteur Alouna. D'accord. Donc, le Dieu là, c'est un Dieu injuste. Voilà comment le noir souffre au profit des blancs. C'est parce que, oui, le pasteur, il est là. Moi, je ne le cause pas problème. Mais les amis maîtres, si tu peux voir les dimanches, comment les énergies des prières sont volées au profit des blancs, tu vas crier. Un maître spirituel qui a atteint l'illumination, c'est ce que c'est. Il n'y a pas le pire pillage que nous subissons en Afrique que l'exploitation des énergies de nos prières. La colonisation spirituelle. La colonisation spirituelle. Il n'y a pas de pire pillage que nous subissons. Le blanc, c'est pourquoi il ne prie plus. Entre le noir et le blanc, c'est le noir qui prie beaucoup. Il y a un blanc qui est à côté de vous. Là. Mais oui, c'est une vérité. Ah, d'accord. On ne va pas dire le contraire si c'est une vérité, c'est une vérité. Moi, je dis toujours que depuis le 31 décembre 1961 à minuit, a pris fin l'époque yin, c'est-à-dire l'époque du mensonge, l'époque où la vérité ne pouvait pas se dire en public. Voilà comment, en 1962, presque tous les États africains demandaient l'indépendance. Donc, c'est une époque comme ça, époque de vérité. Merci beaucoup, Maître Tiburce Ndebokolo, Maître Tiburce Sylvain Ndebokolo. Merci à Saïd Ahmad. Saïd Ahmad qui nous a parlé du rôle et de la place de la femme dans l'islam, vous l'avez écouté. Maître Tiburce aussi qui nous a démontré que la vérité ne reste pas la même. La vérité n'est pas statique, elle bouge, la vérité change au fil du temps, au fil des époques. Vous pouvez donc réagir en appelant au 06 706 32 32 ou au 06 678 25 47 que vous pouvez faire précéder du 242 pour poser des questions à nos invités ici sur le plateau.
après avoir écouté ce qu'ils ont dit. Et pendant que vous vous préparez à appeler, on va donner la parole au pasteur Ange Bienvenu à Luna. Il est pasteur de l'église La Vie en Jésus-Christ. Et lui, il nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est en réalité ce qui est écrit dans le psaume 111, verset 10. C'est le thème d'aujourd'hui, comprendre le psaume 111, verset 10. Et justement, c'est le commencement de la sagesse. On parlait d'ici de la crainte de l'Éternel. Pasteur, le fait de respecter les 10 commandements déjà, est-ce que c'est déjà apprendre à craindre l'Éternel? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Que le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé ce matin. Alors, comme vous avez su le dire, nous sommes basés sur le psaume 111, le 10e verset, et que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. J'aimerais d'abord, avant d'aller en profondeur répondre à votre question, c'est quoi d'abord la crainte? Nous avons une définition selon le dictionnaire et nous avons la définition selon la Bible. Alors, les Français nous disent que c'est envisager par la pensée quelqu'un ou quelque chose comme devant être nuisible ou bien dangereux. Parler de la crainte, et la crainte c'est aussi respecter et la crainte c'est aussi révérer. Alors, monsieur le journaliste, vous savez que beaucoup de personnes, croyants ou non, ont beaucoup peur des sorciers, ont beaucoup peur des magiciens, ont beaucoup peur de la mort, ont beaucoup peur de la maladie, ont beaucoup peur des occultistes, mais ne craignent pas ce Dieu-là. Alors, on voit dans les églises, beaucoup, les églises sont remplies, mais en réalité, beaucoup ont la peur de la mort, beaucoup ont la peur de la maladie, mais peu sont ceux qui craignent Dieu. On voit les gens aller signer les alliances avec le diable dans les pactes et autres pour chercher la protection. Mais si on avait la crainte de Dieu, alors, ça devait être autrement. Alors, c'est là où, pour le Dieu de la Bible, le Dieu créateur des cieux et de la terre, et quand tu marches en le respectant, quand tu marches dans sa crainte, alors, quelle est sa réaction? Il te dit, et sa première réaction, tu commences à être sage, comme on dit en lingala, okomi kozala mwana mayele. Donc, pour Dieu qui est sage, c'est quelqu'un qui ne pas seulement qui vient chaque jour à l'église, pas seulement quelqu'un qui récite les versets bibliques, mais quand tu commences à en le craignant et tu le mets à sa place, alors il te dit que tu commences à être sage. Alors, c'est quoi la crainte de Dieu selon la Bible? Nous avons donné une définition. C'est que les Français, ils ont écrit dans le dictionnaire. Alors, selon la Bible, selon Proverbe 8, 13, la Bible nous dit ceci. Qui craint Dieu? C'est quelqu'un qui haït le mal. C'est quelqu'un qui marche et en se préservant du mal. C'est l'élément numéro un. Qui craint Dieu? C'est quelqu'un qui évite de marcher dans l'arrogance. Quand on parle de l'arrogance, on nous dit que c'est une attitude hautaine. Je suis plus que les autres. Ma connaissance, je dépasse YZ. Et en agissant ici, alors on appelle ça l'arrogance. Alors ici, tu ne crains pas Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toute chose.
Au moment que tu dis que tu connais, il y a quelqu'un qui te dépasse. Et celui qui est le vrai, celui qui a la connaissance, c'est ce Dieu-là, créateur, qui t'a créé. Alors, qui marche dans la crainte de Dieu? Et nous avons celui qui a eu le mal, celui qui n'est pas arrogant et celui qui n'est pas orgueilleux. Et lorsqu'on parle de l'orgueil, c'est posséder une raison de fierté démesurée. Je prends l'exemple. Bon, je suis belle. Écoutez, je vais toujours me marier à cause de ma beauté. J'ai les diplômes, je ne pourrai jamais chômer. Et voilà l'expression, quelques exemples de l'expression de l'orgueil. Et qui craint Dieu? C'est quelqu'un quand il parle avec des limites. Il a sa bouche, il contrôle tout ce qu'il sort et tout ce qu'il libère. Voilà un peu d'une manière générale la définition de, selon la Bible, de la crainte de Dieu. Alors, c'est là où la question a été amenée auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ va dire ceci, nous sommes dans Luc chapitre 12, le 4e verset. Il dit, je vous dis, vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui après avoir fait cela, ne peuvent rien faire de plus. Et Jésus continue dans Luc chapitre 12, le 5e verset. Il dit, je vous montrerai celui que vous devez craindre. Donc, c'est celui-là qui a la capacité de tuer votre corps et de vous envoyer dans l'enfer. Nous savons que seul Dieu qui a la capacité d'envoyer quelqu'un, de prendre la direction de l'enfer selon ses attitudes, selon son comportement, selon. Mais quelqu'un qui n'a pas cette capacité d'envoyer quelqu'un dans l'enfer, alors on n'a pas besoin de le craindre. On n'a pas peur de cette personne. Comme nous avons su le dire, on a peur de la maladie, on craint les sorciers, on craint tout ce que nous connaissons sur cette terre des humains. Voilà un peu d'une manière générale ce que j'ai voulu introduire suite à votre question. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Aluna, d'avoir développé hein, ce psaume 110, verset 10. Question quand même, après vous avoir écouté. En fait, pourquoi la raison qui nous pousse à craindre Dieu? Est-ce que un enfant, votre fils, votre fille, devrait vous craindre, vous, Pasteur Alonan, en tant que père? Est-ce que nous devrons craindre notre père, Dieu? Dernier, nous avons parlé que Dieu est notre ami. Est-ce que nous devons craindre notre ami et pourquoi? Alors, oui, vous savez, monsieur le journaliste, ce que vous voulez que Dieu vous fasse, ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, vous devez le faire pour ce Dieu. Lorsque vous donnez de la valeur à Dieu, le Dieu de la Bible va vous valoriser également. Donc, parmi toutes ces choses, qui valorise Dieu, qui donne de la valeur à Dieu, c'est celui qui le craint. Je ne fais pas ce geste parce que je crois en ce Dieu. Par exemple, je suis un chrétien. Vous voyez comment Joseph arrive devant la femme de Potiphar. Et la Bible dit, la femme de Potiphar lui demande, dit, couche avec moi, je te donnerai toute cette richesse. Tu vas commander toute cette maison. Mais Joseph étant celui-là qui craint Dieu, il a dit, le patron m'a donné la responsabilité X, mais le patron ne m'a pas donné l'autorisation de coucher avec vous. Donc, il a refusé de commettre l'acte à cause de ce Dieu-là. Donc, il a valorisé Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a valorisé Joseph et Joseph a terminé sa course comme intendant dans une élévation. Alors, pourquoi nous devons craindre Dieu? C'est pour valoriser Dieu. C'est pour l'honorer.
Et lorsque vous honorez Dieu, Dieu vous honore parce que c'est un principe de ce qui est sacré. Lorsque tu honores le sacré t'honore. Écoutez ce que nous dit Proverbe 2, verset 5. Lorsque vous valorisez Dieu, c'est-à-dire vous marchez dans la crainte de Dieu, Dieu déverse en vous une connaissance illimitée même. Et lorsque vous craignez Dieu, selon Proverbe 10, verset 27, et la crainte de Dieu va augmenter le nombre de vos jours, les actions sur cette terre des humains. Parce que dans la crainte de Dieu, et la crainte de Dieu, vous déverse en vous un esprit de la prudence. Tu sais par où mettre le pied, ce que tu dois faire et ce que tu dois éviter. Donc, nous devons craindre Dieu. En bref, c'est pour valoriser notre Dieu, c'est pour le glorifier, pour l'élever. Alors, le standard est en train de chauffer ici. Les appels sont là, il n'y a pas de problème. Donc, continuez à appeler. Nous allons prendre maintenant ouvrir le téléphone, prendre des appels. 06 706 32 32. 06 678 25 47, vous pouvez faire des messages, vous pouvez appeler. Pasteur, dernière question, en fait, préoccupation. Vous avez une fille qui chante. Ok. Comment on l'appelle ? Richanti Aluna. Ah, moi, je l'appelle souvent Marie Missamo. Ok. Alors, est-ce qu'elle vous craint ? Écoute, elle ne doit pas me craindre, je ne suis pas Dieu, par rapport à la réponse de notre Seigneur. Parce que oh, mais Dieu, c'est notre Père. On va le craindre. Il faut craindre. Jésus a dit, il dit, vous qui êtes mes amis, qui est ami de Jésus ? C'est celui-là qui fait la volonté de son Père. C'est celui qui marche selon ses principes. Donc, merci. Il dit à vous, mes amis. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre cet appel, ce premier intervenant. Bonjour. Bonjour. Ah, je crois que... Bonjour, nous sommes à votre écoute. Vous avez suivi M. Saïd Amal qui a parlé de la place de la femme dans l'islam. Vous avez suivi le maître Tibius Nebokolo qui a dit que les vérités changent au fil du temps. Et le pasteur Ange Bienvenu à Luna qui nous dit qu'il faut craindre l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est bien cela. Alors, dommage, on va devoir interrompre cet appel parce que le monsieur ne réagit pas. Ici, il y a d'autres appels. On va prendre sur les deux téléphones. Bonjour. Allô ? Bonjour. Vous êtes en direct du studio 210. Vous appelez depuis la RDC. On vous écoute. Oui. Bon, je voudrais poser une question à Maître. Oui. Qui c'est ? Qu'est-ce qui a été ? Est-ce qu'il entre en communication avec cette énergie ? Ah, d'accord. De quelle manière ? Ok. Vous demandez les énergies qui sont en contact avec Maître Tibius, de quelle manière il est en contact avec eux ? Avec ces gens-là. C'est ça ? Allô ? Essayez de repréciser votre question, s'il vous plaît. Posez bien votre question, monsieur. D'accord. Et comment il entre en contact avec cette énergie? D'accord. Allez-y. Donc, merci. Ce monde, il existe le principe des énergies positives et négatives. Donc, le bien et le mal, le positif et le négatif, c'est ça en sanskrit qu'on appelle le yin et le yang. Alors, dans le yang, il y a un peu du yin, dans le yin, il y a un peu du yang. C'est-à-dire que dans le bien, il y a un peu du mal, dans le mal, il y a un peu du bien. Et c'est cette énergie-là qui est à la base de tout, est disponible à tout un chacun. La représentation de l'énergie dans le corps d'une personne, c'est ce que nous appelons l'âme. L'âme n'est qu'une étincelle de lumière qui anime l'esprit. Alors, malheureusement, je me demande si j'ai des maîtres qui savent des choses. Quand tu sors de ton corps, ton corps est allongé, l'esprit sort du corps. Tu te regardes comme ça, allongé. Il y a une potentialité. L'âme, donc l'étincelle de l'énergie, se libère de l'esprit. Tu vois le trois corps allongé, le trois corps existant.
Donc l'homme est le trio de corps. Alors l'énergie créatrice, donc vous savez que la place de Dieu, donc l'énergie en l'homme, c'est l'âme. C'est l'âme qui anime l'esprit. Je pense que la question était claire, que l'énergie qu'il parle, c'est l'énergie qui existe de soi-même ou quelqu'un qui a créé ça. C'est ça qu'il voulait demander. Ok, je remonte donc à l'origine de l'univers. L'univers n'existe pas sur la Terre ni dans notre système solaire. L'univers existe il y a cela peut-être 14 milliards d'années. Et n'a commencé que par le Big Bang, donc l'accumulation des énergies qui se sont éclatées. C'est un grand cours, si je me mets à expliquer, là on va se noyer pour rien. Alors, cette énergie-là, quand il s'éclate, la loi de chaque chose qui dure, suivie par se transformer, alors ça s'est coagulé et ça a donné naissance à des constellations. En fait, c'est une énergie incréée, comme il a dit. Une énergie incréée. Donc Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Ça va vous contredire, en fait, si vous... Non, Dieu n'existe pas tel qu'on le pense. Mais ce Dieu qui existe ne sont que des extraterrestres. D'accord. Alors, ce monde, Dieu, origine de toute chose, n'est qu'énergie créée, n'a pas été créée par quelqu'un. Bonjour, studio 210, on vous écoute. Il y a le pasteur Ange Bienvenu à Luna, Mac Tibius et au pasteur. Allez-y. Oui, ma question est celle-ci. Le pasteur a dit que l'homme doit craindre Dieu. Je voulais lui poser la question. Entre l'homme et Dieu, l'enfant doit craindre qui, doit avoir peur de qui? Entre le balcon, l'enfant, le père donne les instructions à son enfant. Mais entre l'homme et Dieu, l'enfant doit craindre qui? D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Alors, Jésus nous a répondu, et il a répondu à cette question. Parce que ne craignez pas celui-là qui est capable seulement de tuer le corps. Mais craignez celui-là qui est capable, après la mort, et qui a la capacité de vous envoyer dans l'enfer. Alors, envoyer dans l'enfer, aucun pasteur, aucun papa, aucun oncle, peu importe tes fonctions, aucun chef d'État, aucun premier ministre n'a pas, malgré le décret, une note de service qu'on peut prendre de gauche à droite, ne peut expédier quelqu'un vers l'enfer. C'est Dieu qui est capable. Cette capacité est donnée à Dieu. Donc, l'enfant est appelé à craindre Dieu et l'enfant est appelé, dans le sens large, à respecter son père. Voilà, d'une part. Merci beaucoup. On prend cet appel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct. Allez-y, posez votre question. Bon, ma question est en effet une réaction par rapport à ce que M. Tubur dit, en disant que c'est Lucifer qui est l'ancêtre des Noirs, alors qu'il y a une contradiction avec même le nom de Lucifer, qui est en fait une personne qui apporte de la lumière à toute personne élevée. Ça, c'est de un. Et puis, j'ai encore l'indignation envers M. Saïd, qui parle du paradis qui se trouverait au pied de la mer, ou bien d'une bonne éducation que l'on donne à ses enfants. Cela revenait à dire le paradis est terrestre, et non quelque chose qui serait après d'une vie après la mort. Voilà pourquoi je souligne une contradiction par rapport à la position de M. Saïd. Pour revenir sur M. Ange Aluna, lorsqu'il parle de craindre Dieu, certes, il faut craindre, mais la crainte dont il entend de présenter de Dieu serait une crainte envers une personne qui peut décider de votre vie en bien ou en mal. Alors que la crainte dont il est question là, c'est une crainte qui ressort d'une élévation de la spiritualité de la personne dans la quête, dans une quête transcendantale, de façon à ce que cette personne découvre la grandeur et la sagesse de cet être. Et l'homme se trouve exactement petit face à cela, d'où l'orgueil de l'homme tombe. Ce qui revient à dire, l'homme se découvre lui-même petit. D'accord. Par rapport à son orgueil. Merci beaucoup. La grandeur de cet être qui est en même temps grand et en même temps simple. Merci beaucoup, M. Hippolyte, de vous rappeler de Brazzaville. On va donner la possibilité aux invités de vous répondre. Nous allons donner la possibilité qu'on puisse vous répondre. Allez-y, on commence par Maître Tiburce. Merci beaucoup. Sur Lucifer. Oui, sur Lucifer. Bon, qu'il me montre un verset noir sur blanc écrit Lucifer, ça n'existe pas. Ce que je sais... Il n'a pas parlé de la Bible,
Voilà. Est-ce qu'il a parlé de la Bible? Il a dit simplement. Oui. Mais il a donné... sort le nom de Lucifer, en fait de compte. Et vous vous sortez de l'ordre de Lucifer. Ah, voilà. Vous le sortez d'où? Voilà. Donc, nous, moi, je suis un maître spirituel. Mais lui aussi, peut-être qu'il est maître. Je ne suis pas un maître spirituel qui a lu un livre. Effectivement, je ne suis pas un maître spirituel qui a lu un livre. Je suis un maître spirituel qui s'est réalisé. C'est-à-dire, tu connais ce que c'est. En fait de compte, quand tu te réalises, la connaissance te rentre dans le corps sous la forme de boule de feu seulement et tu deviens intelligent. C'est trop facile même. Voilà comment la majorité des savants, c'était des grands initiés seulement. D'accord. Donc, en fait de compte, je n'ai fourni aucun effort pour en savoir, mais c'est l'histoire qui m'a été révélée et inspirée. Donc, je le parle et j'explique. Lucifer, il a amené la race noire à bord d'un vaisseau appelé Wiren 3, un vaisseau de 60 km de long, 20 km de large et 6 étages en forme de chauve-souris. Voilà la réponse que je lui donne. D'accord, ok. Monsieur Saïd Ahmad, votre notion du paradis... fait bouder Hippolyte. Quand il parle de paradis terrestre, il avait dit, le Saint-Prophète, il a dit, le paradis se trouve sous le pied de votre mère. Cela signifie que le paradis n'est pas loin de vous. Si vous voulez entrer dans le paradis, il faut servir votre mère. Une fois, il y a un compagnon du Saint-Prophète, il a dit, Yarsoula, je vais partir au djihad. Le Saint-Prophète, il a dit, pour vous, c'est djihad, allez servir ta mère. Saint-Prophète, il savait que sa mère est vieille. D'accord. Et c'est ça que vous servez ta mère, tes parents, tu auras le paradis. Je n'avais pas dit qu'il va chercher le paradis sous le pied de votre mère physiquement, mais à la service. De même manière, quand on demande à quelqu'un comment je peux entrer dans le royaume de Dieu, Jésus dit quoi? Que non, allez servir Dieu. Vous ne voyez pas, le roi dit quoi? C'est-à-dire qu'il faut adorer Dieu, il faut servir l'humanité, vous aurez le paradis. D'accord. Pasteur Ange, bienvenue à Luna. Votre histoire de crainte de Dieu, ça fait bouder, ça fait jaser. Ok. Si je l'ai bien écouté, Dieu est le plus grand esprit. L'esprit créateur, l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Alors, on n'a pas comparé ce Dieu-là et par rapport à ce que le bien-aimé est en train de dire. Donc, si je l'ai compris, en réalité, ce que j'ai dit, il a appuyé sa main. Ce qui ne veut pas... Il parle que la crainte de Dieu, on ne peut pas parler de la crainte de Dieu en nous alignant seulement à Dieu. Bon, il faut cette crainte également, on puisse craindre également celui qui est en face de toi. Et je m'adresse et je m'assis dans la parole de Dieu. Je l'ai dit par rapport à la réponse de Jésus à tous ceux qui étaient devant lui. Pour dire que parce que c'est la majorité et les gens ne craignent pas Dieu, mais les gens craignent les gens de ce monde. Alors, les gens de ce monde, ils sont limités. Les gens de ce monde ont des limites, mais nous devons craindre quelqu'un qui est tel que monsieur le journaliste, tel que vous êtes, vous passez l'émission. Après quelques minutes, l'émission prend fin. On dit que monsieur Diaz vient de tomber. Donc Dieu peut te retirer le souffle de vie en quelques minutes. C'est aussi vrai, je vais tomber. Non, c'est un exemple. Okay. Je n'ai pas dit ça. Okay. Pour moi, que tu aies une longue vie. D'accord. Okay. Donc voilà un peu, d'une manière générale, c'est que le bien-aimé doit comprendre. La question de monsieur Mpassi, il est à Ouesso, il dit, question à tous les trois, où est Dieu actuellement? Son expression ici, c'est « Où est Dieu présentement ?» Vous voyez, selon le Saint-Coran, Dieu n'est pas au ciel. Je ne sais pas où il a lu ça. Le Saint-Coran, il dit « Allah nur samavate valad » Dieu est la lumière du ciel et de la terre. Dieu dit dans le Saint-Coran qu'il est tout près de votre gorge. Proche de votre gorge. Là, ici, là. Proche de votre gorge. Proche, c'est là ou bien... Que votre gorge. D'accord. Okay. Vous comprenez? Maintenant, Dieu est partout. Il est omniscient, présent. Vous ne pouvez pas fixer une direction de Dieu, il n'y en a pas. N'importe où que vous allez partir, vous allez trouver Dieu devant vous. D'accord. Mais Dieu se manifeste à son serviteur à plusieurs manières. Maintenant, si, selon lui, que... il y a seulement les extraterrestres qui existent. Non, il faut répondre à celui qui a posé la question. Maintenant, c'est ça, non? Selon nous,
Dieu est souverain. Il est partout. Et 124 000 prophètes qu'il a envoyés, tous les prophètes sont soutenus par lui. Et ils ont approuvé que Dieu existe par leur pratique, par leur prière. Maintenant, si Dieu n'existait pas, que Moïse croyait, Abraham croyait, prophète Mohammed sallam croyait, maintenant ils sont sauvés comment? Qui les a sauvés? Qui les a traversé la mer? Alors, Dieu où? Monsieur Tibus, merci beaucoup. J'explique bien. Il est où présentement? En ma qualité de maître, en d'accord. Fait. D'accord. Explique à celui qui a posé la voilà, question. Voilà, oui. Dieu est énergie. Cette énergie est disponible partout. Je précise bien. Mais quand tu invoques un être supérieur, ce n'est qu'un extraterrestre. Quand tu fais allusion à quelqu'un qui peut t'écouter, qui peut voir tout, surveiller tout, ce n'est qu'un extraterrestre. Dieu, moi je crois, Dieu, il est énergie. Voilà comment quand quelqu'un dit, je crois en Dieu créateur du ciel et de la terre, je dis, ah moi, je ne crois pas en ce Dieu-là. C'est un Dieu né de la légende. Mais je crois, Dieu créateur, origine de toute chose, n'est que de l'énergie. Comme lui-même, il le dit, M. Saïd dit, qu'il est partout. Mais il y a une énergie qui peut être partout. L'esprit ne peut jamais être partout, ce n'est pas possible. L'esprit qui est là ne peut pas se retrouver au même moment à Londres, ce n'est pas possible. Mais l'esprit se déplace qu'à la vitesse de la pensée. D'accord. Pasteur, est-ce que c'est mon dernier mot bien? Allez-y, vous répondez à la question. Ok, pour répondre à la question, je dirais... Dieu est où présentement? Dieu, il est omniprésent. Quand je parle de l'omniprésence de Dieu, Dieu, il est partout. Donc, il parle à travers ses serviteurs, il parle à travers sa parole, il parle à travers les circonstances. Au moment que je suis en train de parler, en France, il y a un prédicateur qui est en train d'annoncer l'évangile, c'est Dieu qui parle. Je suis dans le studio 210, c'est Dieu. Il y a un accident qui arrive à un bien-aimé, c'est un langage de Dieu qui veut s'exprimer également en lui. Et voilà, il est omniprésent, Dieu est partout. D'accord, merci beaucoup. On va prendre encore cet appel. Voilà, il est parti, mais on va quand même lire ce message. Comment peut-on craindre Dieu et ses parents? La question était déjà répondue ici. Parmi les extraterrestres, qui est le plus souverain? Est-ce qu'il y a une hiérarchie chez les extraterrestres noirs? C'est les extraterrestres noirs, oui, nous l'appelons Ourman, bien sûr. C'est hiérarchisé. Ah, c'est des noms bien connus. D'accord, alors. Bonjour. Bonjour. Studio 210, on vous écoute. Oui, j'ai une question à poser aux trois. Oui. Allez-y, monsieur. Il parle avec la théorie. Nous, on a besoin des preuves. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de la théorie, on a besoin des preuves. Parce que Moïse a montré à Pharaon les preuves que Dieu lui avait données pour montrer à Pharaon. Et aussi, nous, on a des preuves. Ce sont des théories qui d'accord. Sont des vous, parlées. Quelle preuve voulez-vous? Des preuves convaincantes. Quelle preuve voulez-vous, par exemple, ils sont là? Mais pour nous demander. Par exemple, le pasteur, oui. Il doit nous montrer qu'il est vraiment passé par des preuves et non par la théorie. Oui, quelle parce preuve voulez-vous? De la Genèse à l'Apocalypse. Monsieur, on va faire l'économie du temps. Quelle preuve voulez-vous? Ils sont là. Vous avez besoin de preuves, on vous les donne là. Est-ce que vous voulez voir un oiseau ici? Vous le dites. Les preuves, par exemple, comme lui le pasteur, il est chrétien. Moïse avait dit, il avait montré la preuve à Pharaon. Pour montrer que c'est Dieu qui l'a envoyé. Lui aussi qui nous montre. Bon, dis-lui s'il est malade, je vais prier pour lui. Il va être guéri tout de bon, suite. Bon, est-ce que vous avez un problème, rapidement? Est-ce que vous avez un problème particulier? Le pasteur va essayer de régler ça. Je n'ai pas un problème particulier, mais je veux qu'il nous montre seulement les preuves. Bon, d'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, mais il nous montre des preuves. D'accord, il vous montrera les preuves, il vous dira simplement une parole biblique, ça restera théorique. Okay. Alors, on prend cet appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, bonjour, monsieur Diaz. Voilà, vous êtes en direct, le pasteur, les maîtres spirituels, vous écoutez, l'imam. Bon, moi, je suis monsieur Jésus, j'appelle depuis Talangaï. Mm-hmm. Moi, j'aimerais intervenir un peu à propos de la réaction du pasteur sur la crise. Oui. Moi, je pense que le pasteur est un peu de faire une confusion parce que quand il y a sa fille dans la maison, lui dire que la fille ne doit que craindre Dieu, on a l'impression que le pasteur
vous estime est, veut nous faire passer un message du genre Dieu ne demande pas aux enfants d'obéir aux autorités, de craindre aux parents, de craindre leurs pasteurs, etc. Ce que le pasteur doit comprendre est que Dieu, normalement, quand il dit quand Jésus dit à ceux qui étaient en face de lui, il faut craindre celui qui a le pouvoir de la vie et de la mort. En fait, Jésus veut faire la part des choses. Il veut faire la part des choses. C'est-à-dire, moi, je dois craindre mes parents à la limite de l'autorité de mes parents. Je ne vais pas craindre mes autorités à la limite du pouvoir de mes autorités. Mais dans tout ça, il faut que je trouve aussi la place de Dieu. Ce que Jésus regarde, c'est sa place. La place de Dieu dans notre vie. D'accord. Parce que vous savez, c'est la Bible elle-même qui dit que les parents sont les dieux sur terre. Comment je ne peux pas craindre mes parents qui sont établis comme dieux sur terre par ce même Dieu? Comment je ne peux pas que les autorités Dieu lui-même existe, toute autorité vient de lui. D'accord. Le pasteur va réagir, il vous a écouté, il va réagir. Allez-y, pasteur. Allez-y, pasteur. Ok. Alors, c'est qui là? Vous savez, quand on aborde un sujet, et le sujet est abordé sur un contexte donné, on n'aborde pas le sujet dans le sens large, parce que l'émission, nous abordons l'émission et tout est temps. Donc, quand je parle, je ne dis pas, c'est un problème de mots et de cette compréhension. Puisque quand Jésus parle, toute autorité vient de Dieu, comme il a su le dire. Je ne nie pas cela. Je ne nie pas que papa et maman, c'est une autorité, sont les autorités divines. Parce que nous avons trois institutions que la Bible reconnaît. Et trois institutions que la Bible reconnaît, nous avons l'institution parentale, papa et maman. Nous avons l'institution de l'État. Nous avons l'institution qui est l'Église, qui représente le Dieu. Maintenant, quand on dit craindre Dieu, dont papa et maman, et c'est parmi ces institutions. Donc, il y a une partie, ce que je dis, je pèse bien les mots par rapport à notre sujet, la crainte. Jésus parle de la crainte. Quand on parle de cette crainte, il est clair pour dire que nous ne devons pas craindre quelqu'un qui est, par exemple, limité. Donc, j'ai dit dans le sens large, nous devons respecter les autorités. Ce sont les autorités établies par Dieu. OK, nous devons respecter nos parents. Nous devons respecter. OK, mais craindre, ça, c'est réservé à Dieu. Alors, il vous reste que ce soit votre mot de fin, pour les autres aussi. Il dit ici, c'est l'homme Ngakoso. Il dit, question pasteur Aluna, parlons de la crainte de Dieu. Il dit, Dieu prolongera vos jours sur cette terre des hommes si vous le craignez. Ce qui voudrait dire que vivre longtemps sur la terre des hommes est une bonne chose. D'où vient alors qu'on cherche à aller au paradis en craignant Dieu? OK. C'est mon dernier mot, mais je vais répondre à cette question, mais j'aimerais que Maître Tubis, je puisse le recevoir, Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous allez le baptiser? Il ressort moi, Christ comme Seigneur et Sauveur. D'accord. Parce que... Répondez rapidement. OK. Donc, pourquoi il a dit? Il dit, pourquoi les gens doivent, pour aller au paradis, doivent craindre Dieu? Alors que lorsqu'on craint Dieu et tout ça... On a une longue existence. Voilà. Bon, mais le bien-aimé doit savoir que notre existence sur terre est plus courte par rapport à notre existence au-delà. Donc nous avons une courte durée. La Bible nous parle de 120 ans. Et la Bible nous parle de 90 ans. Et donc c'est limité. Donc quand on parle d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire ici, c'est pour accomplir sa mission. Lorsque Dieu m'envoie sur la terre, et que je n'accomplis pas ma mission, sachez-le que c'est l'enfer qui m'attend. Je dois accomplir ma mission jusqu'au bout. En fait, ce qu'il dit, c'est ceci. Hein? Vous demandez, on demande, pas vous, hein, vous êtes la Bible, okay. Demande de craindre l'Éternel, okay. Pour vivre longtemps. Okay. Mais à la fois... Lorsque nous craignons Dieu, Dieu nous rallonge notre séjour sur cette terre des humains. Oh, pour aller au paradis, il faut mourir. Donc si... Non, mais rien n'est éternel. Même si on a vu ce qui s'est passé avec Ézéchias. Ézéchias,
quand on lui a annoncé, le prophète lui a dit que tu vas mourir, Ézéchias a fait face à Dieu, il a rendu grâce, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. La Bible dit que Dieu lui a ajouté 15 ans. Peu importe cette rallonge, vous allez finir par mourir. Je ne dis pas que lorsqu'on parle de... C'est bizarre quand même, c'est-à-dire que si tu es pécheur, tu meurs, si tu n'es pas pécheur, tu meurs. Justement. Mais donc, on préfère pécher. Puisqu'on va toujours mourir. Mais le problème, ce n'est pas de mourir. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est tu vas prendre quelle éternité? Tu vas prendre quelle direction? Vous contactez monsieur pasteur Alouna. Je suis au 00663, malgré que je n'ai pas pu faire accepter Jésus-Christ à Maître Tubus. Je suis au 00663-71-52. 00-242-663-71-52. Et voilà, et avec ce numéro, vous pouvez m'écrire dans le WhatsApp. Monsieur Saïd Ahmad, oui, vos contacts. Oui, merci beaucoup. Comme ça, vous pouvez nous contacter au numéro 05-555-4018. 05-555-4018. Merci beaucoup. Comme dit Jésus lui-même dans la Bible, que allez partout, n'allez pas chez les non-juifs. Malheur à moi qui n'ai pas juif. Comme il dit, je suis venu pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël, ce Congolais, malheureusement. Donc, je reprends au 05-524-26-51, 05-524-26-51, 06-977-70-18. Merci beaucoup. On rappelle que Maître Tibius, vous avez signé le Vegasun qui est le toujours Vegas disponible. Il y a aussi la Veta de Wen. Veta de Wen. Oui. Monsieur le pasteur Alouna a une des membres de son église ou un membre de son église qui a signé la vie du leader et son ministère. Il y a la photo du pasteur Alouna là-dessus. Donc c'est Déborah Eurydice Nzonzolo Massa. Le livre est disponible au studio 210. La maison de magie ou Religion du salut. Le livre aussi est disponible sur ce studio 210. Ça parle de l'Ouzolo Amour. Et en parlant de l'Ouzolo Amour, il y a cet album, Confidence à l'Éternel. Il suffit d'appeler studio 210 pour vous procurer ces livres ainsi que Transformation digitale, Opportunité et Menace, signé Eugène Ruffin Bouya. Merci à Saïd Ahmad, merci à Maître Tibus Sebokolo, merci au pasteur Alouna, merci à vous d'avoir accepter cet exercice de répondre aussi aux préoccupations des téléspectateurs. La suite, c'est le temps du réveil avec l'apôtre Richard Fila-Sainte-Eude.